Certaines prières ne seront pas exaucées dans ta vie si tu n'as pas changé tes vêtements. Certaines situations ne vont pas changer dans ta vie si tu ne changes pas tes vêtements. Si tu vois qu'une situation dure et perdue, ça veut dire qu'il y a des vêtements que tu portes. Des vêtements que tu portes que tu ne devrais pas porter. Nous parlons de vêtements spirituels. Voilà, c'est ce que les yeux ne voient pas qu'on appelle spirituel. Et quand on parle de vêtements, les vêtements que nous portons physiquement ou spirituellement symbolisent quelque chose. Ça représente quelque chose. Les vêtements représentent ta fonction. Ton métier ou ton appel. Pourquoi tu vas voir les docteurs ont leurs vêtements? Les infirmiers ont leurs vêtements. Les avocats, les greffiers, les juges ont leurs vêtements. Les policiers, les gendarmes ont leurs vêtements. Les footballeurs ont leurs vêtements. Les sportifs en général ont leurs vêtements. Les pilotes ont leurs vêtements. Les hôtesses de l'air ont leurs vêtements. Ce qui identifie leur fonction, leur métier ou leur appel. C'est pour ça que tu vas voir, même quand quelqu'un, Dieu veut utiliser quelqu'un pour devenir pasteur. Et quand Dieu veut montrer des révélations concernant la personne, tu verras que la personne est habillée en veste. Avec la Bible en main. Ou une épée dans la main. Ou un instrument de travail dans la main. Parce que les vêtements symbolisent ton appel. Ta fonction ou ton métier. Les vêtements représentent ton caractère. Ça représente la vie que tu mènes. Et ça représente aussi tes œuvres que tu fais. Les vêtements représentent ton autorité. Ça représente aussi ton pouvoir. Les vêtements représentent ton esprit. Les vêtements aussi représentent ta condition spirituelle à l'instant même. C'est pour ça que dans les révélations, tu vas voir certains sont habillés en haillons. D'autres ne sont pas du tout habillés. Ça veut dire qu'ils sont dans le péché. D'autres sont habillés des habits de prisonniers. D'autres sont habillés des habits de souffrance ou d'esclavage. D'autres sont habillés des habits d'accusation. Et quand tu es habillé des habits d'accusation, tout le temps qu'il y a un problème, même si ce n'est pas toi qui as causé, ça on met ça sur ta tête. Tu es toujours faussement accusé. Tu es toujours faussement accusé. D'autres en esprit portent les habits de prostitution. Et c'est ça qui se manifeste dans leur vie physiquement. D'autres portent des habits de rejet. Partout où ils vont, ils sont rejetés, même quand ils sont qualifiés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faveur dans leur vie. D'autres portent des habits de misère. Malgré leurs efforts, ça ne boutit à rien. Je vais te montrer comment les gens peuvent acquérir
mis ces habits-là dans leur vie. Parce que c'est des habits sataniques. C'est des habits négatifs. Qu'un enfant de Dieu ne devrait pas porter. Tu peux les obtenir ou les acquérir par héritage. Ça veut dire de ton origine, de ta famille, de ton sang. Tu as hérité cet habit-là. Rappelle-toi, j'ai dit, l'habit peut représenter un pouvoir. Ça peut représenter un caractère. Donc tu peux hériter ça de tes parents. Tel père, tel fils, on dit. Tu as hérité ça de quelqu'un. Tu n'as pas forgé ça. C'est dans ton sang. Même si on t'amène en Amérique, tu seras comme ça. Même si on t'amène en Amérique et tu changes de pays, tu seras comme ça. C'est dans ton sang. Ces vêtements-là, tu peux les obtenir à cause des mauvaises associations. Ça veut dire pas mariage ou pas amitié. Quand tu t'associes à de mauvaises personnes, ils te passent leur habit. Tu peux avoir des habits sataniques par désobéissance. Dès que tu quittes la volonté de Dieu, dès que tu rejettes la parole de Dieu, dès que tu fais ta propre volonté, spirituellement, Satan te porte un habit qui est un habit de rébellion. Et Satan peut t'identifier avec cet habit comme étant son disciple. Yes. Tu peux avoir ces habits là-bas en voûtement. Ça veut dire que les ennemis t'ont forcé à porter ça. Parce que tu es faible en esprit. Tu peux les recevoir par manipulation satanique. Donc il y a plusieurs manières d'obtenir ces habits-là dans la Bible. La Bible dit que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Et quand tu regardes dans Deutéronome 8, verset 4, on ne va pas lire. La Bible dit, les enfants d'Israël ont marché 40 ans dans le désert. Et pendant les 40 ans, leur vêtement ne s'est pas usé. Leur chaussure ne s'est pas usée. Ça veut dire pendant 40 ans, ils ont porté le même vêtement. Donc, ce n'est pas étonnant que pendant les 40 ans, leur condition n'a pas changé. Ils tournaient en rond dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans leur promesse. Ça veut dire que spirituellement, si tu portes le même habit des années durant, ça veut dire que ta condition ne change pas. Tu es dans la stagnation. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 22. Le verset 5, on ne va pas lire. L'homme ne portera pas les habits de femme. Et la femme ne portera pas les habits d'homme. Car celui qui fait cela sera en abomination. Donc en esprit, un homme peut porter les habits d'une femme. Ça veut dire que cet homme-là a été transformé en femme spirituellement. Son autorité est perdue. C'est la femme qui va commander. Ça veut dire que il est castré spirituellement. Il n'a plus son droit d'aînesse. Parce que spirituellement, il porte des habits de femme. C'est comme ça aussi que les femmes peuvent porter des habits de femme en esprit. Physiquement, tu portes des habits de femme, mais en esprit, tes vrais habits sont des habits d'homme.
Et cela peut même se manifester physiquement. Tu vas commencer par aimer physiquement les habits d'hommes. En ce moment, ça veut dire que tu es devenu Jézabel. Tu n'es plus soumise à ton mari. Tu as arraché l'autorité du mari. C'est toi qui es maintenant en haut et l'homme en bas. C'est toi qui commandes dans la maison. C'est pourquoi tu vois des gens comme ça qui portent les habits travestis, qui sont parfois lesbiennes ou bien homosexuelles. Voilà, moi je dirais, nous sommes dans mon côté. C'est pourquoi tu vois des hommes efféminés. C'est des hommes, mais ils font comme les femmes. Voilà, ils veulent se dresser. Ils ont même envie de porter robe. Ils ont envie même de porter jupe. Ils font comme les filles, les femmes. Ça veut dire en esprit, cet homme-là est une femme. Il a été changé en femme. Je suis venu ce matin avec ce message. Parce que l'Esprit de Dieu a mis ce message dans mon cœur. Et quand j'ai écouté la chorale, j'ai dit Seigneur, merci. Seigneur, tu confirmes toujours ta parole. Parce que même nous, enfants de Dieu, pour aller au ciel, il y a un vêtement qu'on doit porter. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, on ne va pas lire le verset 7 et le verset 8. Hein. Quand l'épouse s'est préparée, l'église s'est préparée pour la noce de l'agneau, pour aller à la rencontre de son époux. Parce que Jésus reviendra, l'église doit se préparer. Et la Bible dit l'épouse a porté sa robe blanche, sa tache pure. Et cette robe là représente les bonnes œuvres de l'église. Ça veut dire que spirituellement, on doit porter une robe blanche. Même Jésus-Christ, quand Jean va le voir dans Apocalypse, la Bible a dit Jean vit un homme dont la voix était comme la voix des grands eaux. Ses yeux sont comme des flammes de feu. De sa bouche sortait une épée à double tranchant. Ses pieds étaient comme de l'airain embrasé dans son ventre. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ses cheveux d'abord. Merci. Il portait une robe blanche avec une ceinture d'or à la hanche. Jésus même portait une robe blanche. Et la Bible dit ceux-là qui attendent le retour du Seigneur, qu'ils lavent leur robe. Dans quel état Jésus viendra te trouver? Quel habit tu portes à l'instant même? Quel vêtement tu portes spirituellement? La colère est un vêtement. La jalousie est un vêtement. Le non-pardon est un vêtement. Tout mauvais caractère est un vêtement. Quand tu n'arrives pas à te débarrasser de quelque chose, c'est un vêtement. C'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il permet de reconnaître le moine. Un chrétien a un habillement. Et les païens aussi ont un habillement. Nous avons notre culture. Nous avons notre langage. Nous avons notre royaume. Nous sommes des citoyens célestes. Personne ne te porte les habits de ce monde-là. Personne ne te porte les habits de ta famille. Personne ne te donne ses habits comme héritage. Je parle en esprit, je ne parle pas dans la chair. Tu ne dois pas porter les habits de Manu Wata.
Tu n'as pas porté les habits de sorcellerie. Parce que les habits ont un mystère. Je vais te montrer dans la parole de Dieu que l'onction se transfère par les habits. L'autorité, la grâce se transfère par les habits. Ce n'est pas toujours par l'imposition des mains. Ce n'est pas toujours par l'huile d'onction qu'on verse sur la tête. L'onction se transfère par les vêtements. L'autorité, la grâce, la position, pas se transférer par les vêtements. Nous allons voir dans le Nombre chapitre 20. Frère Gilles, aidez-nous. On va aller rapidement. Nombre 20. 26 à 28. Que le Seigneur fortifie mon interprète. Ton peuple n'est pas présent ici aujourd'hui. Ils vont revenir. Allez-y. Amen. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais les revêtir à Éléazar son fils. Dépouille Aaron de ses vêtements. Il y a aussi connu Aaron. Tout le monde sait que Aaron est le grand sacrificateur. Il est ordonné par Moïse. Maintenant, Dieu veut transférer sa fonction, son sacerdoce à Éléazar. Éléazar qui est le fils de Aaron. Comment le transfert va se faire? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Le Seigneur dit à Aaron, à Moïse, dépouille Aaron de ses vêtements. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Allez-y, le verset qui suit. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il montait sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Allez-y. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Aaron mourut là. Quand les habits de sacerdoce furent enlevés du corps de Aaron, il mourut là. Maintenant, ces habits-là, on a fait porter ça à Éléazar. Maintenant, qui va devenir le sacrificateur? Qui va devenir le souverain sacrificateur? Qui va prendre la place de Aaron? Qui va travailler avec l'onction de Aaron? Qui va être dans la position d'Aaron? Tu vas voir de la montagne, c'est Moïse et Éléazar qui sont descendus. Aaron est resté mort sur la montagne. Parce que Dieu voulait transférer l'onction, le sacerdoce, la position, la fonction de Aaron à Éléazar. Et le transfert s'est fait comment? Aaron a enlevé son habit. Moïse a enlevé l'habit de Aaron. Parce que Aaron ne voulait pas enlever ça. Il est resté sacrificateur. Il ne veut pas mourir. Moïse a enlevé les habits et a fait porter ça à Éléazar. Et le transfert d'onction s'est opéré. Automatiquement, Éléazar est devenu le souverain sacrificateur. Sans aller à une école. Sans une formation quelconque. Seulement en recevant l'appui de celui qui était là comme souverain sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous allons voir un autre transfert d'onction par les habits. Chapitre 2, verset 12 à 14. Chap. Amen. Amen.
Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? 12 à 14, on veut. Ok. Élisée regardait et criait, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là et Élisée passa. Transfert d'onction. À moi. Amen. Ensuite, encore au travers du manteau, du vêtement de Élie à Élisée. Alors, Élie, toi, nous Élisée. Élie n'a pas imposé les mains à Élisée. Élie, ma casade est à nous Élisée. Élie n'a pas versé l'huile d'onction sur Élisée. Élie, c'est à nous le compte à nous Élisée. Mais pendant que Élie montait, la Bible a dit. Il laissa tomber son manteau. Et Élisée a ramassé le manteau de Élie. Élisée lui-même portait des vêtements. Élisée est sous. Mais il ne peut pas mettre le manteau de Élie sur les vêtements qu'il portait. C'est la réalité des chrétiens aujourd'hui. Tu viens à l'église avec des vêtements étrangers, tu ne les enlèves pas et tu peux porter de nouveaux habits. La Bible dit qu'on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. L'ancien vin avec des anciennes outres. Et le nouveau vin avec de nouvelles outres. Si tu viens à Christ, tu dois enlever les habits du monde. Les habits de ta famille. Les caractères de ta famille. Les habits du monde. De l'Égypte, de Babylone. Tu dois les enlever. C'est pour ça que beaucoup ne reçoivent pas encore l'onction. Parce que Dieu attend que tu déchires les vêtements que tu as amenés à l'église. C'est même pas Dieu qui a déchiré les vêtements de Élisée, c'est lui-même qui les a déchirés. Si tu ne peux pas perdre quelque chose, tu ne gagneras rien. Si quelque chose ne s'en va pas de ta main, quelque chose ne viendra pas. Il y a des choses que tu dois laisser partir. Il y a des amis que tu dois laisser partir. Il y a des personnes que tu dois laisser partir. Il y a des caractères que tu dois laisser partir. Avant que le manteau du maître ne vienne sur toi. Alléluia. Amen. La Bible dit Élisée. Bible Élisée. A pris le manteau de Élie. Il est allé devant le Jourdain. Et là où Élisée et Élie s'est arrêté, c'est par là Élisée a commencé. Je veux dire que le dernier miracle qu'Élie a fait, c'était le premier miracle de Élisée. Avec le manteau de Élie. C'est là où on peut comprendre que l'esprit de Élie est maintenant venu sur Élisée. Finalement, mon Dieu, Élisée est si big boy. Élisée. Voilà. L'onction de Élie est descendue sur Élisée. Élisée. Par le vêtement, tu ne dois pas prendre les vêtements à la légère. Les vêtements ne sont pas des choses naturelles. Même les vêtements que tu portes physiquement, ce n'est pas physique. La première chose que tu as faite à Adam et Ève, quand ils ont péché, c'est de créer des vêtements pour les couvrir. Et Satan aussi a créé ses vêtements pour les hommes. Des vêtements qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. Spirituellement. Les vêtements que tu vas porter, et c'est les païens qui vont te faire la cour. À toi, à toi.
Dans les deux cas, c'est la maladie. Il y a un vêtement qui fait que personne ne te fait la cour. Et il y a aussi un vêtement qui fait que tout le monde te fait la cour. Parce que ce n'est pas normal. Donc nous avons vu ici que l'onction s'est transférée par le vêtement de Élie à Élisée. Il peut dépasser pour le cadavre et s'endetter pendant qu'un vivant est en train de chercher à manger et à mourir. Mais tu vas les voir aller porter des uniformes pour un cadavre, pour faire l'enterrement. Et on dit ça, c'est l'habit de uniforme, uniforme de l'enterrement de telle personne. Et on met la photo de mort sur les habits. Normalement, tu devais porter ça une seule fois dans ta vie. Après la cérémonie, tu dois brûler ça. Tu ne dois plus mettre ça dans tes habits. Parce que cet habit est déjà dédié à un mort. Après, tu es étonné. Pourquoi tu vas chercher un marché et on ne te donne pas? Parce que tu as porté l'habit de cérémonie pour aller prendre marché. Tu ne comprends pas pourquoi tu es rejeté. Pourquoi il y a des barrières? Pourquoi il y a des choses négatives? Parce que tu as pris l'habit de cérémonie que tu as porté pour aller à l'église même. Et Dieu touche tout le monde et il ne te touche pas. Allons-y, on n'est pas en train de s'amuser ce matin. Oui. On n'est pas en train de s'amuser. Je suis dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les habits de cérémonie, c'est des habits diaboliques. J'ai dit, tu dois porter ça une seule fois. Si tu es obligé de porter ça, c'est une seule fois. Après la cérémonie, c'est Dieu qui a fini de la vie. Tu vas en mémoire de l'Auguste du défunt. Et on porte ça. L'esprit de mort est dans ça. L'esprit de sécheresse est dans ça. La pauvreté est dans ça. Parce que chaque fois que tu portes ça, le mort et l'esprit de mort est toujours derrière toi. Quel habit on t'a transféré? On a vu qu'entre Aaron et Eleazar, le transfert s'est fait par un vêtement. Entre Élie et Élisée, le transfert s'est fait par des vêtements. Quelqu'un a dit avance. Tu n'as pas entendu ta voix. Avance. On va voir l'exemple de Jonathan et de David. Samuel 18, verset 3 à 4. Quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Allez-y. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Regarde, au nom de l'amour, on fait certaines choses bêtes et inutiles. C'est toi, Dieu ne t'a pas inspiré pour faire. Tu veux faire plaisir aux gens. Jonathan a levé ses vêtements de presse, ses vêtements royaux. Et il a donné ça à David. Même son épée, même son arc. Mais nous parlons ici des vêtements. Est-ce que tu vois que c'est là que Jonathan transférait la royauté qu'il devait recevoir de Saül à David?
C'est le jour-là même que David est devenu roi. Parce que Jonathan vient de lui transférer son héritage. Si Jonathan va devenir roi après Saül, ce n'est plus Jonathan, mais c'est David. Si vous lisez très bien la parole de Dieu, vous allez voir que David est de la dixième génération après Judas. Et la Bible dit, tout enfant qui est né d'une relation illicite, même la dixième génération ne sera pas acceptée. Ça veut dire que c'est à partir de la onzième génération qu'on peut l'accepter. C'est à partir de la onzième génération qui peut rentrer dans sa promesse et son héritage. Ça veut dire que entre Saül et David, il devrait avoir un roi qui doit venir là avant que David ne vienne. Quand bien même il a été ordonné roi spirituellement, mais c'est Jonathan qui devait venir. Mais tu vas voir que c'est David qui est venu. David est mort. Mais Jonathan est mort. Jonathan est mort. Quand Aaron donnait son habit à Eleazar, Aaron est mort. Et quand Elia donnait son vêtement à Élisée, Elia quittait son monde, il est parti au ciel. Et quand Jonathan donnait son habit à David, Jonathan est mort. Jonathan, la splendeur, la gloire royale qui le couvrait, le protégeait, s'est passée vers David. Au travers des habits. À qui tu donnes tes habits? À qui tu donnes tes vêtements? Toi qui donnes les vêtements, tu es dans une situation plus dangereuse que celui qui reçoit les vêtements. Parce que en donnant tes vêtements, tu es en train de donner une partie de ta vie à la personne. Réellement, celui qui reçoit les vêtements, c'est lui qui gagne, mais toi tu perds. On a dit en donnant, tu reçois, mais en réalité, ça là, en donnant, tu as perdu. Parce que quelque chose de toi est dans le vêtement. Je peux te montrer pas plusieurs exemples dans la Bible. Comment il y a un transfert d'onction par les vêtements? La Bible dit la femme qui saignait pendant 12 ans. Elle a dit si je peux seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Il n'y a pas une imposition de main. Il n'y a pas une prière spéciale. Jésus le reconnaît pour venir. Il a touché les vêtements de Jésus. Le saignement s'est arrêté. Bon, Jésus a oublié. Et aussitôt Jésus a senti qu'une vertu, une puissance est sortie de lui. Ça veut dire que quelqu'un peut toucher tes vêtements et sucer ton onction. Et tirer ta grâce. Et tirer ta faveur. Le contact corporel avec les agents du diable, ce n'est pas par erreur. Ils savent très bien qu'en te touchant, ils prennent quelque chose de toi. Ça veut dire que le mouchoir qui a touché le corps de Paul, un transfert d'onction s'est opéré de Paul dans le mouchoir. Le mouchoir n'a pas une intelligence. Le mouchoir n'a pas une conscience. Le mouchoir n'a pas une décision. Ça reste là où le place. Mais pourtant, il porte l'onction de Paul. Mais mouchoir n'a pas une de telle sorte que si ce mouchoir a touché
touche un démon, le démon n'a pas fui en respectant Paul. Et du mouchoir pour guérir les malades et chasser les démons. Quelqu'un a dit transfert. Je n'entends pas bien, dit transfert. Transfert. Dis correctement, dit transfert. Transfert. Genèse 27. Mais pourquoi Genèse 27, maman? Genèse 27, 27. Mais la quoi Genèse sur maman 27, 27. On interprète une fois. Amen. Amen. Allez-y, papa, Gilles. Amen. Amen. Jacob s'approcha et le baisa. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Bah, Isaac est sur moi. Puis il le bénit et dit. Ça va comme ça. Il sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Isaac est moi à Outotobo Tony. Mais les vêtements que Jacob a portés là, ce ne sont pas ses vêtements, c'est les vêtements d'Esaü. Jacob a oué, c'est le commerce, toi-même. Et celui qui devait recevoir la bénédiction ce jour-là, c'est Esaü. C'est pour ça que la maman a arrangé Jacob de telle sorte qu'il porte les habits de celui qui doit recevoir la bénédiction, Esaü. Où est-ce que maman et toi, et bloqué Jacob a dit à vous poser tout bon. Et il donna, et quand il donna, Esaü le gardien. Le papa dit la voix, c'est la voix de Jacob. Ah, bon, toi, tu dis, ah, belle, oh, Jacob, toi. Mais les habits là, c'est l'odeur de Esaü. Ah, certainement c'est Esaü. Esaü, hein. Parce que la voix là me confondait. Il a touché les mains. Il a vu qu'il est poilu. Parce qu'ils ont pris la peau d'un animal pour couvrir les mains. Là encore, ils ont dribblé. Maintenant, il a porté l'habit d'Esaü. Quand le père a senti l'odeur de l'habit d'Esaü, papa est senti à bien loin. À l'instant là même, il a libéré la bénédiction. Qui a porté tes habits? Mais toi, celui qui porte tes habits peut prendre ta bénédiction. Il peut prendre ta grâce. Il peut prendre ton autorité. Il peut prendre ta destinée. Il peut prendre ton miracle. Il peut prendre ta faveur. Il peut prendre ta blessement. Toi qui as même donné tes habits, tu dois savoir à qui tu donnes. La Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ni aux porcs. De peur qu'après avoir reçu les bonnes choses, ils ne se retournent contre toi pour te dévorer. Il y a des gens, c'est toi qui as fait d'eux ce qu'ils sont devenus en leur donnant tes habits. Mais laisse-moi voir. Bon, Aoudé a naïe la main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'entend? Très bien. Dis yes ou. Yes. Dis yes ou. Yes ou. Tu as fait de ceux qui sont devenus par tes habits que tu les as donnés. Aoudé a naïe la main, c'est bleu et terre. A bleu et. A bleu et bilé. Alléluia. Amen. Dis-moi. Dormi. Si papa Benjamin veut donner son vêtement à quelqu'un. Hein, brother Mathieu. Si papa Benjamin veut donner son vêtement à quelqu'un. Et c'est à toi qu'il veut donner ça. Je prends ton exemple. Tu vas aller prier sur ça. Tu vas prendre ça avec joie. Parce que. Parle-moi. Parce que c'est la vie du maître. Parce que c'est la vie du maître. L'onction est dedans. L'onction est dedans. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. Tout ce qui est bon est dedans. Maintenant, si un païen te donne un habit, frère Mathieu. Frère Mathieu, un païen, quelqu'un dans ta famille qui est un païen.
s'est passé avec moi physiquement. Physiquement, c'est quelqu'un qui est même dans l'église. Mais mon esprit doute de la personne. La personne a donné. J'ai consumé ça par le feu. Quelqu'un a dit amen. Amen. Ah, c'est son esprit qui l'a dit. Ah, ne porte pas. Consume ça par le feu. Ça ne veut pas dire celui qui a donné n'a plus sa bénédiction. Parce que tu fais de ce qu'on t'a donné ce que tu veux. Parce que faut pas dire à quelqu'un, hey, tu dois porter ça, hey, tu dois porter ça, tu dois porter ça. Ah, c'est comme quelqu'un qui te donne à manger. Tu dois manger ça, hein, tu dois manger ça. Et il va regarder si tu as mangé ou pas. Il y a quelque chose à la nourriture. Moi, j'ai reçu les vêtements. D'autres personnes. Si je n'en reçois pas aujourd'hui, c'est pas que j'ai grossi. Parce que quoi? Donc quand je porte ça, ne rentre plus. Il faut la laisser. Quand je porte ça, ne rentre plus. Mais j'ai porté. J'ai porté. Et je suis béni. Parce que je crois en l'esprit de la personne. Parce que merci Big Bang. Parce que c'est un enfant de Dieu. Moi j'ai pris et j'ai porté. Quelqu'un veut comprendre aussi. Mais avant de porter, va prier dessus. Tu veux la donner ma foi. Il croit en la personne, mais il doute un peu. Mais il prie pour sanctifier ça. Ma foi va sanctifier. Après avoir prié, il pense. On est sanctifié pour un zéro. Il n'a pas péché. Péché, ouais. Il n'a pas péché. La Bible dit manger de tout ce qui se vend dans le marché sans motif de conscience. Donc comprends-moi ce matin, frère et soeur. Comprends-moi. C'est moi qui l'ai parlé pour me mener. Merci. Je n'ai jamais dit qu'on ne peut pas porter des habits de deuxième main. Jamais. Pardon? Je n'ai jamais dit qu'on ne peut pas porter des habits deuxième main. Les habits de Kumbo, Kobo Kobo. Je n'ai jamais dit qu'on ne peut pas porter. Est-ce que nous demandons? On peut porter. C'est le moyen que tu as. À quoi les noirs? Mais avant de porter, plus sur ça. Mais tu as senti ça. Je préfère te voir porter les habits Kobo Kobo et habillé couvert. Maintenant, un frère me pose la question de savoir. Quand on a dit des habits, des pailles qu'on a acheté et on a envoyé chez le couturier et qu'il a cousu, est-ce qu'on doit prier sur ça? J'ai dit ouais, ouais, il faut prier même bien sur ça avant de porter. Parce que frère, comme nous dit, oui, mon mais. Parce que le tailleur, la couturière, tu ne connais pas sa vie. Parce que tailleur a tué les tuyaux. Beaucoup sont allés chez les coiffeuses et sont devenus possédés, initiés par la main de la coiffeuse. La main de la couturière ou du tailleur peut aussi posséder des habits. Très bien. Et le Dieu dit le salon, la blague, à tout coiffeuse, et maintenant initié, maintenant c'est rond, la tâte. Et même si les habits sont neufs ou les pailles sont neufs, tu ne sais pas de quelle origine ça vient. Tu ne sais pas si ça vient de la mer. C'est le monde des ténèbres. C'est pas parce que c'est neuf que ça peut ne pas être possédé. Neuf ne veut pas dire pur. Parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Et si ton esprit te dit de ne pas porter, ne porte pas. Si ton esprit te dit de jeter, jette. Tu n'as pas péché aussi pour ça. C'est-à-dire que la personne qui t'a donné n'a pas bien vu en esprit.
Parce que la personne qui t'a donné, il a vu en esprit que tu n'as pas d'habit. Mais en réalité, tu en avais beaucoup. Parce que si tu n'en as pas beaucoup, tu n'as pas brûlé le œuf qu'on t'a donné. Parce que moi, j'ai vu là où un frère Demas. Mon frère Demas. Qui a reçu un habit de Papa Benjamin, une chemise. Papa Benjamin, c'est un débat. Et quand on lui a donné cet habit, il arriva qu'il était dans une concession où un enfant, une fille est morte. Et le tabaré, mais c'est un enfant. C'est son enfant. C'est son enfant. Merci. Vite le soin, frère aussi, vite le soin. Et pendant que tout le monde pleurait, tout le monde se lamentait, l'esprit a dit, on t'a donné une chemise de Papa Benjamin, non? Fais prendre ça pour l'enfant prier. Il est allé rapidement prendre la vie. La vie qu'il a déjà portée, oh, qu'il a déjà, on a déjà lavé, oh, mais parce que ça vient de Papa Benjamin. Ils ont trouvé le bébé qui est mort, l'enfant qui est mort, la fille qui est morte. Il a prié. Quelques minutes après, l'enfant est revenu à la vie. L'enfant est ressuscité. Papa Benjamin n'est pas là physiquement. L'huile d'onction n'était pas là. Mais son vêtement était là. Mais à où le film. Ton vêtement te représente dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on va t'amuser. Quand tes vêtements disparaissent, tes slips disparaissent, il faut lever, te lever, prier. Prends tes vêtements pour aller faire des cérémonies pour bloquer ta destinée pour nous. C'est depuis le jour les vêtements royaux de plusieurs couleurs de Joseph ont été enlevés que ces problèmes et ces malheurs ont commencé. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Un vêtement ne doit pas empêcher ton salut. C'est un plus un vêtement, mais que tu sois ton, que tu reçois ton salut. Le monde n'a pas plus un vêtement. Mais toi, il faut avoir ta joie et ta paix. Quel vêtement est trop cher pour toi que tu ne peux pas t'en débarrasser? Les modèles. On a plus le temps pour lire la Bible. On a plus le temps pour prier. Tous les jours, c'est la couturière. Tous les jours, c'est le temps. Pardon, mais ça, couturière, ne vous fâchez pas. Je ne suis pas en train de garder votre marché. La parole de Dieu va garder quelque chose. La parole de Dieu va garder quelque chose. Si une parole ne touche pas quelque chose, ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne vais citer jamais debout ici pour décourager les enfants de Dieu. Jamais. Mais je vais les encourager. Je vais leur dire la vérité. Qu'un vêtement n'empêche pas ton salut. Et à cause d'un vêtement, ne détruis pas la maison de Dieu. Si c'est ça que tu aimes, prends ça. La nourriture des petits chiens, on ne leur arrache pas ça. Quelqu'un la garde avance. C'est la vérité. Spirituellement, tu vois certaines personnes, c'est l'habit de quelqu'un qui porte. Rien n'avance dans leur vie. Mais j'entends la voix du Saint-Esprit qui dit changer vos vêtements. Retourne ça au propriétaire. Retourne ça dans les ténèbres. Parce que tu vas quelque part. Tu vas à Cana. Tu vas à Bethel. Tu vas à Jérusalem. Tu vas au ciel. Tu n'es pas d'ici pas. Tu es un ambassadeur de Dieu. Les ambassadeurs doivent avoir leur habillement. Tu es un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal doit avoir son habillement. Tu es un citoyen céleste. Un citoyen céleste doit avoir son habillement. Tu es un peuple acquis. Un peuple racheté doit avoir son habillement. Caché par le sang de Jésus-Christ. Ne renie pas ton identité. Quelqu'un a vu en vision l'enlèvement. Et pendant l'enlèvement, il a vu les femmes qui ont été enlevées porter des habits comme des musulmans. Aucun habit transparent n'a été enlevé. Aucun collant n'a été enlevé. Aucun filet n'a été enlevé. Aucun habit court n'a été enlevé. Tu portes des habits courts et tu viens, tu prends une paille maintenant pour couvrir tes cuisses. Si tu sais très bien que tu as porté des habits courts. Montre à tout le monde que tu es court. C'est comme un gars qui prend paille pour aller chez le couturier. Et tu as demandé au couturier de déchirer ça jusqu'à ça devenir gâté. Et tu n'as même plus de raison pour te couvrir. Les hommes n'ont pas de problème avec les habillements, c'est les femmes. Et pourquoi vous ratez le ciel à cause des habillements? Modèle. Tu ne peux pas porter quelque chose de décent. Quand on regarde les masques, on peut voir maman si c'est comme un exemple parfait. Un modèle parfait. D'habillement céleste. D'habillement de quelqu'un qui va au ciel. Parce que maman, quand elle entend quelque chose, quand tu commets une erreur, ou elle ne t'a pas compris, elle va se fâcher contre toi. Mais elle va venir directement te voir. Elle n'ira pas te critiquer derrière toi. Elle n'ira pas prendre le téléphone. Tu as entendu ce que toi, elle a dit. Tu as entendu ce qu'elle a prêché. Parce que ton erreur, beaucoup allait tomber.
C'est pour ça que je crie haut et fort de cet hôtel. Les vêtements de Tokumbo, on peut porter. J'ai une tante au village. C'est ça, elle fait. Village où elle ça. Et plusieurs fois, c'est elle qui a payé mes frais de scolarité. Mais ouais, ça beau soir, ce même donc, ça avait ça, je suis allé à l'école. Papa n'était pas la même pour donner frais de scolarité. Papa, maman n'était pas la même pour donner frais de scolarité. Maman, mais elle a fait ça avec l'argent de Komoko qu'elle venait. Mais tant que tu t'as fait, je sais pas de ça. Ça veut dire que de bonnes choses peuvent sortir. Même si tu veux rentrer, même si tu veux aller avec ta femme, il faut prier. Si tu veux rentrer dans la voiture, il faut prier. Il n'y a pas de gens ici. C'est ton travail. La parole de Dieu veut garder encore quelque chose. La parole de Dieu veut encore garder quelque chose. C'est ton travail. Et c'est ça que tu fais. Et tu sanctifies les chaises. Donc si quelqu'un ne priait pas, imaginez ce qui va nous arriver. Continue ton ministère. Le jour où tu prêches et personne n'est touché, vous savez que tu n'as rien prêché. Alors, les quand tu prêches et les gens sont fâchés, les gens sont confus, tristes. Voilà. Ils n'ont qu'à aller réfléchir à la maison. Enlève tes habits de colère. Enlève tes habits de jalousie. Enlève tes habits de non-pardon. Regardez, si on vient devant Dieu, on n'a qu'à laisser notre intérêt personnel. Prêchons la vérité. Disons la vérité aux gens. Vérité normale. Jésus est allé dans ce village, il a guéri un fou. Jésus a dit au coin de la rue. Mais parce qu'il a dit aux démons de rentrer dans les cochons. Genèse 35. Genèse. Les nouveaux 35. Pardon. Verset 1 à 3. 1 à 2 même, seulement. Genèse 35, 1 à 2, il est écrit. Yolanda. Dieu dit à Jacob. Marron Jacob. Lève-toi. Chite. Monte à Bethel. Oui, Bethel. Et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru
Lorsqu'il fuyait Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Changez de vêtements, a dit Jacob. Que les pères se lèvent dans la maison pour dire à leurs femmes et à leurs enfants de changer de vêtements. Lève-toi et change de vêtements et ta famille. Parce que Dieu t'attend à Bethel. Dieu nous attend quelque part. Avec la promesse. C'est là-bas qu'il va changer ton nom Jacob en Israël. C'est là-bas qu'il va accomplir la promesse qu'il t'a faite. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec des habits étrangers. Tu dois porter des habits différents. Alors, toi, de nouveaux habits. De nouveaux caractères. Un nouvel langage. Un nouvel esprit. Parce que tu appartiens à un nouveau royaume. Il dit changer vos vêtements. Enlever les vêtements de Babylone. De l'Égypte. Des Cananéens, enlevez ça. Nous allons à Bethel. Enlevez les habits de colère. Les gens se mettent en colère deux jours. Si Christ vient dans ça, là, tu vas aller où? Les gens ne pardonnent pas pendant une semaine. Si Christ revient dans ça, tu vas où? Tu ne fais qu'accuser tes frères. Si Christ revient dans ça, tu vas aller où? Qui t'a donné ce ministère d'accuser les gens? De trouver des fautes chez les autres. Quel habit on t'a fait porter? Jacob a dit changez vos vêtements. Changez vos vêtements. Changez vos vêtements. Quelle est cette chose étrange qui est dans ta vie? C'est à toi de les enlever. Parce qu'il y a des habits, c'est toi-même qui dois enlever ça. C'est toi-même qui les a portés. Tu as pris ta main pour porter ça sur toi-même. Tu as pris ta main pour acheter ça. Tu es allé fort pour marcher chercher ça. Prends ta main encore pour enlever ça de ta maison. Cette femme n'a pas dit prions. Tu n'as pas enlevé ça. Il dit enlevez ça vous-même. Il est temps de regarder ta garde-robe. Il y a des choses que tu dois jeter. Il y a des choses que tu dois jeter. Dieu va te résister avec ça. La Bible dit celui qui n'a pas porté des habits de l'eau, jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Je prophétise dans ta vie ce matin. Dieu va changer tes habits que tu ne peux pas changer. Les choses qui sont rentrées dans ta vie, tu n'as plus la force de les chasser. Mais tu sais que c'est mauvais. Dieu va t'aider à les chasser. Je prophétise ce matin que tu vas quitter la prison pour la primature. Dieu s'est souvenu de toi. Là où tu n'avais pas accès, tu auras accès aujourd'hui. Changer de vêtements aux gens. Changer de vêtements aux enfants.
Je n'attends pas correctement ton amen. Je n'attends pas correctement ton amen. Dis amen correctement. On Jehovah, oh, on Jehovah, on Jehovah, oh, on Jehovah.